bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Salut à tous et bienvenue sur Gameblog pour une nouvelle vidéo E3 2016 depuis le stand Xbox. Je vais vous parler du jeu dont l'affiche se trouve actuellement derrière moi. Ce jeu, c'est Dead Rising 4, le retour de Frank West. J'ai pu faire la démo et voilà ce que je peux vous dire. Dans l'ensemble, surprise, c'est bel et bien du Dead Rising. Alors c'est chouette d'avoir Frank West de retour. Et comme on se souvient dans le premier Dead Rising, bah Frank West c'est un photographe. Et bah là, une fois encore, pour faire progresser l'enquête, qui se passe à Willamette d'ailleurs, la ville du premier Dead Rising, et bah vous devez prendre des photos. Et comme on est en 2016 et qu'on est dans une génération de mégalos, et bah vous pouvez prendre des selfies aussi. Ça n'a pas l'air de changer grand chose, mais c'est rigolo. Et avec, pendant que vous prenez le selfie avec le stick, vous pouvez changer la grimace de Frank. C'est un gadget, mais bon, c'est marrant. Aussi, il y a un nouveau système d'enquête sur des spectres. J'ai demandé à la personne qui était à côté de moi pendant que je jouais à quoi ça correspondait. Ils m'ont dit que c'est dans le jeu final, Frank pourra faire des enquêtes en plus des photos et trouver des indices, etc. Mais pour l'instant, dans la démo à laquelle j'ai joué, c'est pas encore exploité. Qui dit Dead Rising dit évidemment zombies, et là encore, il y en a énormément à l'écran. D'ailleurs, il m'a semblé qu'à plusieurs reprises, la Xbox One galérait un peu à suivre, ça a un peu lagué par moment. En tout cas, des quantités astronomiques de zombies à l'écran, et pour s'en défaire, une fois encore, moult armes et gadgets. Alors vous avez toujours les armes au corps à corps, comme par exemple là dans la démo j'ai pu utiliser une hache électrique. Genre quand vous faites un nombre suffisant de kills et de combos, bah vous pouvez déclencher une attaque spéciale un peu à la Thor. Vous levez la hache électrique en l'air et ça électrocute tous les zombies autour. Après vous avez bien évidemment des armes à feu. Là j'avais une arbalète qui permettait de tirer des feux d'artifice. C'était rigolo. Il y avait aussi des tourelles. Par exemple, j'ai trouvé une tourelle au sol qui permet de faire des dégâts absolument énormes. Et donc voilà, la différence en termes de gameplay par rapport au précédent Dead Rising, c'est que pour tirer avec les armes à distance, maintenant vous appuyez une fois avec la gâchette de droite, ça fait sortir l'arme. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à continuer d'appuyer pour tirer. Dès que vous appuyez sur X, et ben vous repassez automatiquement sur les armes de mêlée. Donc voilà, c'est assez rapide et intuitif. Pour le déroulement des missions, vous avez bien évidemment des objectifs principaux, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, remplir des objectifs secondaires comme aller sauver des civils qui sont dans une mauvaise posture afin de gagner des points d'expérience supplémentaires. Moi, perso, j'aime bien Dead Rising. J'ai pas l'impression qu'ils vont révolutionner la série avec ce quatrième épisode, mais c'est toujours fun, c'est défoulant et c'est toujours sympa de pouvoir retrouver Frank West. Donc voilà mes impressions manette en main sur Dead Rising 4 depuis cette E3 2016. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.